Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors, ce soir nous allons parler gynécologie, si vous voulez. Et on va comprendre ensemble l'importance de la médecine générale pour orienter les gens et l'importance du gynécologue pour sauver les gens. Okay ? On va parler surtout sauvetage et diagnostic précoce. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des préférences par rapport à un sujet plus que l'autre, plus que d'autres? Ou bien je peux me lancer et commencer tranquillement de parler de la gynécologie en général et après vous allez pouvoir vous retrouver pour poser des questions qui sont en rapport avec votre cas si vous êtes un peu timide au début. Donc, répondez-moi par des j'aime parce que en fait. Si vous avez du mal à commenter, c'est juste parce que j'ai limité les commentaires pour tout le monde. Et puis, ce ne sont que les personnes intéressées par mon live, les personnes qui sont abonnées à mon compte, qui auront le droit de commenter. Mais vous pouvez quand même répondre par des j'aime. Il y a quelqu'un qui veut participer, Monsieur Abdou, je suis désolée, mais je n'admets pas les guests si vous n'êtes pas abonné. Okay. On a changé un peu le règlement et les lois de mes lives. Donc du coup, ça va être quelque chose de très très sérieux, de très respectueux, de très, je dirais, académique. Comme ça, vous allez tirer profit de mon expérience sans épuiser mon énergie. Et mon bien-être personnel. Très bien, donc la gynécologie. La gynécologie, en fait, c'est une spécialité en même temps médicale et en même temps chirurgicale. C'est-à-dire que pour être gynécologue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir un premier diplôme de médecine générale et après, vous allez passer un concours, ce qu'on appelle un concours de résidanat discipline chirurgicale. Et vous allez être classé, ok, selon votre moyen, si vous voulez, vos notes. Et après, vous allez pouvoir choisir. Vous devez choisir la spécialité, la discipline chirurgicale, parce que en résidanat, c'est-à-dire spécialité. Quand on veut étudier la spécialité, on va devenir des résidents pendant 5 ou 6 ans. Alors, ces résidents, c'est-à-dire ces étudiants de spécialité qui ont déjà eu leur bac, qui ont déjà réussi leur concours de résidanat, en fait, ils vont traiter des problèmes de santé gynécologique, d'ordre gynécologique, médicaux et chirurgicaux. Bonsoir docteur, bonsoir madame Nano, je souhaite que vous soyez en forme. Alors, pourquoi c'est médico-chirurgical? Parce que des fois la femme a un problème qui ne nécessite pas un acte opératoire ou un acte invasif ou une opération, ok? Et des fois on a des patientes qui ont besoin de se faire opérer pour pouvoir traiter leurs problèmes de santé. Alors c'est pour ça que on dit que c'est une spécialité médico-chirurgicale. Très bien. La gynécologie, c'est une spécialité qui sauve des vies, d'accord? C'est-à-dire on a des fois des urgences gynécologiques ou obstétricale ou gynéco-obstétricale. Exemple, vous êtes enceinte, vous avez présenté ce qu'on appelle une hypertension artérielle gravidique, HTAG, c'est, d'accord, mais vous avez également un problème de protéinurie, c'est-à-dire quand on vous fait le fameux LAPSIX ou bandelette urinaire, c'est une analyse, okay, un test rapide qu'on fait en général, moi-même je le fais chez moi, dans mon cabinet. En fait, il s'agit d'un test simple en utilisant les urines des gens, des femmes, à l'aide d'une bandelette où il y a des réactifs. Qu'est-ce qu'on fait? On va imbiber, s'il vous plaît, on va vraiment mouiller, si vous voulez, cette bandelette par l'urine de la patiente. Et après, il y aura des réactions entre l'urine de la patiente
et le produit qui est déjà dans cette bandelette. Et ça nous permet de voir beaucoup de choses, ça nous permet de tester beaucoup de choses, de doser beaucoup de choses, comme quoi? Comme la protéinerie, c'est-à-dire la présence de protéines avec des quantités très augmentées, ok? Donc, on peut détecter les... Il y a plusieurs types de bandelettes urinaires, parce que c'est très important de... On va s'arrêter un peu pour expliquer c'est quoi une bandelette urinaire, c'est quoi un abscisse. Parce que cela est utilisé également chez les diabétiques. Donc nous avons des bandelettes à deux paramètres. Là où on n'a que la glucosurie, c'est-à-dire le glucose dans les urines, ou le sucre dans les urines, et l'acétone, d'accord, c'est-à-dire la présence de corps cétonique dans les urines. Ça s'appelle des bandelettes urinaires à deux paramètres. C'est-à-dire que je peux utiliser ça uniquement pour savoir est-ce que j'ai beaucoup de sucre dans les urines ou est-ce que j'ai beaucoup de corps cétonique dans les urines. À quoi est-ce que ça peut me servir, que ce soit chez la femme diabétique, chez la personne diabétique ou la femme enceinte? C'est d'avoir une idée sur un déséquilibre glycémique, une intolérance au glucose, un diabète qui n'est pas diagnostiqué. Et la présence de corps cétonique quand elle est augmentée dans le corps, je pense qu'on a déjà expliqué ça, ça ne veut pas dire que vous êtes en insulinopénie. Ça ne veut pas dire que c'est à cause du sucre qui est augmenté, à cause de l'insuline qui est diminuée. Non, parce que des fois, on a faim, vraiment on a faim, on est même en hypoglycémie et on a besoin de sucre, ok? On a besoin d'énergie. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait brûler, il utilise les lipides pour pouvoir nous donner de l'énergie dont on a besoin. Et du coup, on aura les déchets des lipides. Quand j'utilise les lipides pour avoir de l'énergie, ça donne des déchets. Et ces déchets s'appellent des corps cétoniques. D'accord? Alors ça, ce sont les bandelettes urinaires à deux paramètres, c'est-à-dire le glucose et les corps cétoniques. Maintenant, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres types de bandelettes urinaires où on a 5 paramètres et on a d'autres où on a plus de 5, c'est-à-dire on a 11. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut chercher? Qu'est-ce qu'on peut tester par ce test rapide, simple et vraiment miraculeux qui fait vraiment des miracles? On peut détecter dans les urines de la patiente ou des patients la présence de protéines. C'est très méchant de trouver des protéines dans les urines des gens. Pourquoi? Maintenant, on va revenir à notre problème qui est une urgence médico-chirurgique, médicale. Ok, ça peut être une urgence médico-chirurgique à l'après, je vais l'expliquer. Si je tombe sur une femme, si je trouve chez une femme enceinte, en faisant le test urinaire, en faisant la bandelette urinaire, si je trouve que cette patiente a une augmentation de protéines, beaucoup de protéines dans les urines, et en même temps elle a une augmentation de la pression artérielle, on va dire que cette patiente a ce qu'on appelle une pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est une urgence, on doit traiter ça, et vraiment on doit surveiller la patiente et on change tout, on change toute la procédure du suivi de la grossesse. C'est-à-dire, vous avez une pression artérielle par exemple à 16, de pression systolique, c'est-à-dire 160 mm de mercure. Vous avez par exemple une pression artérielle à 18, à 180 mm de mercure systolique. Alors ça c'est méchant, la femme enceinte ne doit pas avoir une pression artérielle augmentée. C'est très méchant, ok? Si vous connaissez une femme qui est enceinte, il ne faut pas l'effrayer bien sûr, parce que sinon ça va s'aggraver, mais elle ne doit pas rester chez elle avec une pression artérielle augmentée. Mais si en plus elle a une pression artérielle augmentée et elle a des protéines dans les urines, c'est-à-dire que cette femme et son fœtus sont en train de souffrir et on doit absolument arrêter ce feu. Okay? Et on doit faire un bilan rénal, un bilan hépatique, vraiment toute une liste de bilans pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement du foie et des reins.
Et en plus, on doit faire un examen clinique. Pourquoi un examen clinique? Parce que la pression artérielle augmentée chez la dame avec la protéinurie, c'est-à-dire la prééclampsie, ça peut s'aggraver, ça peut se compliquer par d'autres choses. Par exemple, l'HRP, hématome, rétro, placentaire. Alors, hématome, c'est beaucoup de sang qui est coincé, hein. Alors, on dirait une quantité de sang qui est coincée, on appelle ça hématome, ok? Rétroplacentaire. Rétro, c'est derrière. Placentaire, c'est placenta. C'est-à-dire, dans l'utérus, normalement, il y a... Quand la femme est enceinte, on a un sac gestationnel, ok? Comme une pochette. Et à l'intérieur, nous avons le fœtus, nous avons le placenta, ok? Nous avons le cordon ombilical et nous avons le liquide amniotique. C'est-à-dire, il y a le fœtus et il y a du liquide. Le fœtus, il est là pour... Il est en train de nager, si vous voulez, en plein liquide amniotique. Quand on accouche, quand le fœtus sort par les voies génitales de la dame, ok? Si vous avez remarqué, il y a un cordon, il y a quelque chose qui lie, qui sort du nombril du petit, du fœtus, ok, et qui est lié, toujours lié à la cavité utérine, à la dame, à l'utérus. Et après, si vous avez remarqué, on coupe correctement le cordon ombilical, on fait un clan, ok, et après, il y aura une autre structure qui va sortir après l'accouchement. À la marocaine, on appelle ça le chouette touabe. Alors ça, c'est le placenta. Le placenta, c'est quelque chose qui est vraiment très mou. Il y a beaucoup de sang, ok? Et quand on a un problème, une complication de la prééclampsie, c'est-à-dire la pression artérielle augmentée chez la femme enceinte avec la présence de protéines dans les urines, qu'on appelle protéinurie, alors ça peut se compliquer d'un hématome rétroplacentaire. Donc l'hématome ne doit pas exister. C'est comme une hémorragie interne. D'accord? Donc ça, c'est pas simple. Ça ne doit pas avoir lieu. Donc on doit tout faire pour éviter, c'est ça la prévention en fait, on doit éviter la survenue de cette complication très 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 sombre, si vous voulez, de la prééclampsie. Alors, je sais que ces termes sont très difficiles pour vous, je vais faciliter les choses. Toute femme enceinte qui a une augmentation de la pression artérielle, d'accord, doit absolument faire une consultation pour faire un test des urines rapide, simple. Et si le test des urines montre que les protéines sont augmentées, donc, on a deux paramètres qui prouvent que cette patiente a une prééclampsie. La pression artérielle augmentée et les protéines qui sont augmentées dans les urines. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir rapidement, il faut traiter rapidement par les médicaments et il faut explorer. Il faut faire des explorations biologiques et radiologiques et échographiques, pardon. C'est-à-dire la patiente doit faire une échographie pour savoir... beaucoup de choses que je vais traiter, que je vais mentionner ce soir, Inch'Allah. Et puis, elle a besoin de faire un bilan biologique pour savoir est-ce que les reins et le foie et beaucoup de choses que je vais expliquer ultérieurement, comme la CIVD, est-ce que la patiente est arrivée à ce stade de complication ou pas. D'accord? Très bien. Ce que vous devez retenir, c'est la pression artérielle augmentée chez la femme enceinte n'est pas quelque chose d'anodin et ça doit être pris en charge rapidement. La femme enceinte n'a pas le droit d'accéder à l'automédication pour traiter une augmentation de la pression artérielle. Voilà, durant la grossesse. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou bien je peux continuer? Et on a, en fait, pour ce qui est des complications, il y en a plusieurs. Ok? Moi, j'ai parlé de l'HRP, il y a la CIVD, il y a beaucoup de choses. Donc. Alors, l'HRP, ou l'hématome rétroplacentaire,
Il y a plusieurs signes qui montrent ça. En fait, on a la patiente, des fois, elle a ce qu'on appelle un ventre de bois. Son ventre devient vraiment très, 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 très dur, très tendu. Et vraiment, on a l'impression que c'est du bois. Donc, l'examen abdominal par un médecin généraliste, d'accord? Les sages-femmes également, quand elles sont bien expérimentées dans le service de maternité, elles sont capables de détecter les problèmes et les urgences. Et sincèrement, elles font de très bon travail, les sages-femmes, quand elles détectent ça, précocement bien sûr. Alors, on fait la palpation abdominale. Quand je palpe, à force de palper, à force d'examiner, à force de faire beaucoup d'examen abdominal, on devient vraiment plus ou moins expérimenté et on arrive à toucher la différence entre les abdomens. Donc, si je tombe sur une femme qui a un abdomen tendu, qui a un abdomen de bois, donc rapidement je fais le diagnostic. Rapidement, ok? Voilà pourquoi il faut jamais banaliser ou sous-estimer l'expérience des gens, l'expérience de la sage-femme, l'expérience des médecins généralistes dans les centres de santé. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, docteur, j'ai pas les moyens pour faire la consultation, du coup, je tolère. Non, madame. Quand je pose la question à la dame, pourquoi vous n'êtes pas partie au centre de santé? Elle me dit, au centre de santé, il n'y a pas de gynécologue. Non, madame, non. Il y a l'expérience des médecins. Il y a l'expérience des sages-femmes. Il y a des gens qui sont expérimentés, qui ont fait beaucoup d'études, beaucoup de stages, plusieurs années de pratique, et ils sont capables de détecter en se basant sur une science qui s'appelle la sémiologie. Alors la sémiologie, c'est quoi? C'est-à-dire, je vois un seul signe qui n'est pas apparent pour les autres, pour les gens, pour les autres, et je peux déduire que c'est une urgence. D'accord? Parce que je vais ouvrir une toute petite parenthèse parce que c'est important quand même. Au Maroc, on a un problème d'automédication et les gens sont très très intelligents. Du coup, ils croient qu'ils peuvent substituer, si vous voulez, le médecin ou le praticien, okay, par l'apprentissage sur les réseaux sociaux et sur les livres. Et ça, c'est hyper méchant. D'accord? Quand la femme enceinte a un problème, par exemple de prééclampsie, elle a ce qu'on appelle un problème de céphalée. Vous voulez quelque chose? Une seconde, s'il vous plaît. Alors, en fait, la pression artérielle augmentée chez la femme enceinte avec la présence de protéines dans les urines d'une façon augmentée, ça nous pousse à chercher des signes. Alors, ces signes sont importants, ils sont très importants, ok? Et c'est important de mentionner ça et de décrire ça. Il faut décrire, en fait. Malheureusement, quand on demande à certaines femmes enceintes, ou même le partenaire ou la personne qui accompagne cette dame, quand on pose des questions, il y a des gens qui croient que c'est abusif. Alors que non, c'est pas le cas. Exemple, vous avez de la pression, vous êtes enceinte et vous êtes à 1660 mm de mercure, de pression systolique. Alors, c'est inquiétant, ok? On fait le test urinaire, vous avez une protéinurie à deux croix. Okay. Je pose une simple question, est-ce que vous avez des céphalées? Est-ce que vous avez mal à la tête? C'est important. Avoir mal à la tête, c'est un signe qui est très important à mentionner. Il ne faut jamais banaliser les symptômes. Okay. En principe, tous les médecins aiment avoir des patients généreux
en matière de description des symptômes. Parce que nous, en fait, c'est ça la médecine. La médecine, c'est d'écouter, c'est de demander, c'est l'interrogatoire, c'est chercher des signes, chercher des informations. Donc, plus vous êtes généreux, plus vous décrivez les choses correctement, plus on est, plus on arrive au bon diagnostic rapidement. Quels sont les signes qu'on cherche automatiquement chez une personne qui a eu la pression artérielle augmentée durant la grossesse? La protéinurie, c'est déjà dit, c'est déjà mentionné. Alors, les céphalées, les maux de tête. Une femme enceinte qui a trop mal à la tête, c'est une femme enceinte qui souffre. Et cette souffrance doit être prise en charge par le médecin sans affoler la dame. On ne doit pas faire peur à la dame. Ok? De deux, la douleur abdominale. Une femme qui est enceinte, qui a une pression artérielle augmentée, qui a des protéines augmentées dans les urines, si elle a mal, je dois chercher un HRP ou un hématome rétroplacentaire. Alors, des fois, on a d'autres problèmes de santé et d'autres signes, comme par exemple la femme qui a des rots vifs, des réflexes ostéotendineux vifs, par exemple au niveau des genoux. Alors là encore, je pense que c'est important de sensibiliser les femmes et de leur dire que si le médecin généraliste prend le marteau à réflexe et cherche les rots ou les réflexes ostéotendineux au niveau des genoux, ça ne veut pas dire qu'il est fou. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est fou. Elle te dit, docteur, j'ai mal à la tête, je suis enceinte, j'ai mal à la tête. Et vous êtes en train de chercher, de taper au niveau de mon genou. Alors là, vraiment, la consultation prend plus de temps avec les gens qui ignorent certaines choses. Voilà pourquoi je pense que la sensibilisation a un rôle primordial d'abord pour détendre, si vous voulez, l'atmosphère de l'interrogatoire et tout. Vous voyez? Très bien. Il y a d'autres paramètres, mais je préfère ne pas vous casser la tête avec tout ça parce que c'est un peu spécialisé. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, je vais permettre aux gens de commenter juste pour pouvoir avoir une idée sur ce que vous avez dans le crâne. Déjà, on n'est pas nombreux et ça me fait plaisir de ne pas être, de ne pas avoir, que vous ne soyez pas nombreux, ça me fait plaisir. On peut se permettre de parler librement, poliment, d'une façon respectueuse, parce que quand même on est sur TikTok, donc c'est pas évident de traiter un des sujets assez lourds et surtout assez professionnels avec n'importe qui. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir docteur, super, super live, top du top. Merci, c'est gentil. Alors, il y a un paramètre très important. On a la pré-éclampsie et on a l'éclampsie. La pré-éclampsie, c'est quand la femme enceinte a une pression artérielle augmentée avec beaucoup de protéines dans les urines. Okay? L'éclampsie, c'est quoi? C'est une complication de la pré-éclampsie. C'est un cas où la femme peut commencer à convulser comme si elle est épileptique, okay? Et ça peut même entraîner ou pousser la dame à rentrer dans un état de coma. Moi, quand j'étais stagiaire dans le CHU, le service de gynécologie, j'ai déjà vu des dames qui étaient vraiment en état de coma, carrément. Après avoir présenté à une éclampsie. Alors, quand on voit que la personne se complique, avant qu'elle se complique, okay, avant que l'état vraiment devienne très très sérieux, si vous voulez, il y a un commentaire de Dr Djamali. Bonsoir, on veut juste savoir le type de la douleur abdominale. Le type de la douleur? Le type ou la localisation? J'ai pas bien compris votre question. Alors, en attendant à ce que vous développiez le type de la douleur,
Alors, il y a un point très important. C'est quoi? Quand est-ce qu'il faut intervenir? Admire your style. Thank you so much. Allez, comme ça. Non, non, non. Il n'a rien dit, il n'a rien dit de mal. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, Madame Lalonge. Alors, un point très important. Bonsoir, docteur Asma, bonsoir, Madame Luna. Vous êtes venue, vous êtes enceinte, vous avez un problème de pression artérielle augmentée, vous avez beaucoup de protéines dans le sang. Je ne veux pas perdre ma patiente. D'accord? Non, c'est pas grave, Nano, c'est pas grave. On patiente, hein. Peut-être qu'il voulait rien dire, mais si jamais il déraille, on le bloque. Merci, Nano, vous êtes gentil. Alors, la pression artérielle augmentée avec beaucoup de protéines dans les urines, c'est une prééclampsie. Et ça peut pousser, ça peut vraiment se compliquer par une éclampsie. Et la patiente va convulser et on risque de perdre la dame et de perdre le fœtus. Alors, c'est quoi le traitement en urgence, si vous voulez? La seule façon pour sauver, la seule solution pour sauver les femmes dans certaines complications de la prééclampsie, c'est quoi en fait? Bon, c'est l'extraction fœtale. Ok? Il faut extraire. Tant que le fœtus est lié à la dame, tant que le fœtus est dans l'utérus de la dame risque de mourir. Et le fœtus également risque de mourir. Merci pour votre conseil, docteur, je vous en prie. Très bien. Alors, dans certains cas, quand l'ignorance règne, vraiment, tout devient difficile. Pourquoi? Parce que quand on dit à la dame, Madame, s'il vous plaît, vous allez accoucher par une césarienne rapidement, et la seule solution que vous avez, c'est l'extraction fœtale. Et si on ne fait pas sortir le fœtus, et si on ne coupe pas les liens, les cordons et le lien entre vous et votre fœtus, vraiment, un de vous deux, sinon vous deux, vous allez pouvoir, par exemple, souffrir. On ne dit pas à la dame vous allez mourir, mais on dit vous allez souffrir. Donc vous, on veut vous éviter cette souffrance, cette douleur, cette peine. Alors les gens, des fois, ils adhèrent à ce qu'on dit, des fois, ils sont OK, des fois, ils comprennent, des fois, ils font confiance au médecin. Mais il y a toujours l'entourage qui vient pour tâcheté, qui vient pour parasiter, qui vient pour exprimer sa peur, son angoisse, son anxiété. Oui, on comprend que tout le monde est angoissé. Mais il faut comprendre pourquoi le médecin a voulu faire une césarienne. Vous êtes vraiment venu en retard pour traiter un problème qui normalement devrait être diagnostiqué il y a bien longtemps. La patiente a toujours eu cette hypertension artérielle gravitique qui n'a pas été diagnostiquée. Elle n'a jamais fait la bandelette urinaire, elle n'a jamais fait un bilan rénal, elle n'a jamais fait un bilan biologique qui pourra au moins orienter, au moins suspecter. Okay? Et tout d'un coup, vous venez pour faire une consultation. Et la dame risque vraiment de quitter ce monde, hein, et le fœtus risque de mourir. Donc, arriver en retard en maternité avec une prééclampsie et des signes de gravité, céphalée, réflexe ostéotendineux vif, HRP, douleur abdominale, vomissement, beaucoup de choses. Alors, c'est inquiétant. Et en plus, quand on fait le bilan sanguin, En plus, le bilan sanguin montre que c'est un peu grave. Alors, la prochaine fois, je vais parler du bilan sanguin. Il y a des commentaires ici. Bonsoir, ma soeur. Asma, ça va? Ah, merci, madame. Ah, ben, c'est gentil. Merci, je vais bien. Je voulais dire que la douleur est directement sous les droites. Les droites, vous voulez parler des muscles droits ou vous voulez parler de l'hypochondre droit? Alors, pour être honnête, alors les
les cas que j'ai vus, parce que c'est pas très fréquent d'avoir un HRP, bon, au moins durant ma formation, parce que j'ai eu une formation de médecin généraliste, et c'est un peu différent de la formation d'un médecin spécialiste en gynéco-obstétrique. Pourquoi? Parce que nous, on passe des formations en 5e année, 6e année, 7e année, et eux, ils passent vraiment 6 ans d'expérience. Donc, je n'ai pas vu plusieurs cas de HRP. Donc, ce qu'on voit, c'est premièrement la femme qui a mal, okay, elle a une douleur, soit elle a une douleur au niveau de l'hypocondre droit, okay, soit elle a une douleur abdominale. Parce que chez les Marocaines, en fait, en général, on a toujours ce problème de colopathie fonctionnelle, ce problème de constipation chronique, ce problème de transit ralenti. Parce qu'on a quand même une hygiène, nous, les pays arabes. Comme a dit notre professeur de chef de service de gastro-hépato-entérologie, elle nous a dit, nous les Arabes, on a un long côlon. Quand on fait la colonoscopie, en France par exemple, on arrive à visualiser toute la lumière colique, si vous voulez, chez un Français. Mais chez un Arabe, c'est impossible. C'est impossible d'examiner toute la lumière colique. Pourquoi? Parce que c'est très long. Alors, quand on a déjà un problème intestinal, okay, fonctionnel ou autre, on a cette douleur qui est plus ou moins généralisée, diffuse, pardon, diffuse. Mais des fois, on a vraiment une douleur au niveau de l'hypocondre droit. Et des fois, ah oui, je me suis rappelé d'un truc, des fois, on a une douleur épigastrique. Voilà. On a juste une épigastralgie. Et on découvre que la patiente a un hématome rétroplacentaire. Mais c'est vraiment méchant. On n'aime pas, sincèrement, on n'aime pas que recevoir des gens à un état avancé. Il faut faire la consultation précocement. Il faut surveiller la pression artérielle durant la grossesse. Et je pense que c'est une très bonne idée de s'offrir un tensiomètre de très haute qualité. Okay. Je n'aime pas et je déconseille tous les tensiomètres qu'on met au niveau des poignets, parce que la pression artérielle, normalement, ça se mesure au niveau du bras, avec un brassard, et avec un tensiomètre à brassard et à poire, d'accord? Mais ça nécessite quand même une expérience pour pouvoir utiliser ce type de tensiomètre qu'on utilise, nous, au cabinet, dans les cabinets, dans les hôpitaux, et dans les cliniques, bien évidemment. Puisque vous n'avez pas cette expérience, donc au moins vous achetez un très bon tensiomètre. Okay? Si c'est cher, bien sûr que c'est cher, mais ça vaut le coup. Et en plus, il faut faire très attention aux piles. Ah oui, ça c'est bon. Là, je vais devoir m'arrêter un peu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est technique, les abonnés et les gens ne sont pas obligés de tout comprendre. Mais par contre, tout ce qui est auto-mesure, auto-surveillance, c'est important. Je vais lire vos commentaires et je vais me concentrer un peu sur la mesure à domicile de la pression artérielle de la part des gens. Alors, docteur Djamali, voilà donc les types de douleurs que j'ai déjà vues, moi. En fait, c'est la douleur de l'hypocondre droit, l'épigastralgie et la douleur abdominale diffuse quand on a déjà un autre problème. Ah oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours le droit, la femme enceinte, elle a toujours le droit d'avoir une autre pathologie associée. En fait, ça, c'est la règle en médecine. Déjà, vous les connaissez, vous savez ça. Des fois, des fois, docteur, on est vraiment choqué par la présence d'une autre pathologie. Alors moi, quand j'ai passé les épreuves cliniques en 7e année de gynécologie, il y avait le professeur qui m'a demandé quelles sont les causes de convulsions chez la dame. J'ai tout mentionné et il m'a dit il m'a posé une question par rapport à la tumeur cérébrale. Il m'a dit, est-ce que la dame peut avoir une tumeur cérébrale? Mais je lui ai dit oui. J'ai pas hésité. Vous savez pourquoi? Un jour, il y a le professeur qui m'a dit ça, que je salue. Il m'a dit, on a actuellement
dans le service de gynécologie, dans le service de réanimation gynécologique, ok, une patiente qui a convulsé. Et cette patiente, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une tumeur cérébrale. Vous avez vu? Quelle coïncidence! Voilà pourquoi on a toujours cette règle en médecine qui dit que le patient peut avoir plusieurs pathologies. Elle a convulsé, elle a une hypertension artérielle, mais ça ne veut pas dire que la convulsion est 100% liée à la pression artérielle augmentée. Parce que cette dame, malheureusement, elle avait une tumeur cérébrale méconnue. Donc, qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous permet de détecter les choses qui sont plus inhabituelles? Eh bien, c'est l'examen clinique. Quand je fais l'examen clinique neurologique, je remarque qu'il y a un déficit, il y a un problème. Oui, la convulsion est là, mais il y a un déficit. On a fait l'extraction avant la convulsion, on a des céphalées, mais une céphalée, par exemple, durant l'hypertension artérielle gravidique ou durant la prééclampsie, oui, ça peut être une complication de la prééclampsie, mais la patiente a le droit d'avoir une tumeur cérébrale. La patiente a le droit d'avoir une hypertension HTIC, hypertension intracrânienne. Alors à ce moment-là, c'est bizarre, mais c'est vrai. Donc en médecine, en fait, c'est une science, ça fait partie des sciences expérimentales. J'expérimente, je cherche, je creuse, je trouve, je confirme. Patiente a une céphalée avec prééclampsie, je ne dis pas que la patiente n'a pas un autre problème qui peut expliquer la céphalée. Bonsoir, sans oublier le retard de croissance intra-utérin chez le fœtus. Oui, bravo docteur Majid. Le retard de croissance intra-utérin, mais c'est vraiment c'est vraiment un problème de santé en gynéco-obstétrique qui doit absolument être détecté et être même prévenu. On doit lutter contre le retard de croissance intra-utérin. Et ça encore, ça peut être soit en rapport avec une hypertension artérielle. Ah, c'est très beau d'avoir des docteurs dans mon live. Parce que vous m'avez rappelé un détail très important, en fait, c'est quoi? Si on a de la prééclampsie, si on a une augmentation de la pression artérielle durant la grossesse, on aura un problème d'irrigation, si vous voulez, de perfusion du placenta, et on va vraiment priver ou réduire le débit sanguin, et on ne va pas être généreux en matière de perfusion du fœtus. Et d'une façon, avec un rythme, si vous voulez, chronique, vraiment ça va retentir sur la croissance du fœtus. Bravo. Côté droit. Oui, docteur, oui, au niveau de l'hypocondre droit. Côte. Au niveau des côtes droites, alors on est en. Pardon, côte droite. Ah oui, vous voulez dire la douleur abdominale, est-ce qu'on a une douleur au niveau des côtes droites? Alors, moi personnellement, et tous les professeurs de médecine, nous ont toujours demandé d'examiner. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, on découvre, durant l'examen, on découvre. Et on est vraiment surpris. On est vraiment surpris par des paradoxes, par des contradictions, par des coïncidences bizarres. Par exemple, la femme a une douleur, croit qu'elle a une douleur abdominale. Et quand on fait la palpation des côtes, on voit que la patiente est déjà tombée, a déjà eu un traumatisme des côtes, ok, AVP, tombée de sa hauteur, chute de sa hauteur. Et on découvre que la dame avait une douleur, une fracture qui n'a pas été correctement traitée. Des fois, on a la patiente qui a une douleur abdominale et on trouve que la patiente a une cholécystite. Et c'est vraiment très 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 méchant de trouver ou de diagnostiquer un problème de santé alors qu'on a une urgence médico-chirurgicale. Donc vaut mieux voir son médecin correctement, régulièrement, pour au moins détecter une élevée, une lithiase vésiculaire, pour au moins détecter une colopathie durant la grossesse. Par exemple, moi, quand je vois les patientes enceintes, je traite tout ce qui est médecine générale, exemple le transit et tout, et j'ai remarqué que plus on améliore le transit chez la femme enceinte,
plus, on permet au fœtus et à l'utérus de ne pas être gêné, de ne pas être poussé vers le bas et de ne pas être gêné. Et le fœtus, il a même l'emplacement, si vous voulez, de l'utérus dans la cavité, dans l'abdomen, si vous voulez, ou dans l'espace abdominopelvien, ça diffère. Je m'explique, je vais donner un exemple type. Quand je vois une patiente qui a une constipation chronique, enceinte, d'accord? Quand je travaille sur ça, okay, quand je fais un effort sur le plan diététique, sur le plan beaucoup de choses, mode de vie et tout, alors la patiente, quand elle part voir son gynécologue, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle fait l'échographie et on touche une amélioration, une nette amélioration, et même les mouvements fœtaux deviennent perçus, okay, par la dame. Et vraiment, il y a une nette amélioration sur le plan échographique. Vous voyez? Donc, je pense que c'est une très bonne idée de gérer tous les problèmes de santé en général et puis orienter chez le gynéco-obstétricien pour qu'il se focalise uniquement sur sa spécialité et comme ça, il va être lui-même, il va être à l'aise dans son travail. Et c'est comme ça qu'on peut avancer grâce à un travail collectif. Dans une HTA gravidique m'a suivi. Ah oui, docteur Magil, oui, vous avez parlé du retard de croissance intra-utérin en cas d'HTA gravidique m'a suivi, oui, sans même avoir une protéinurie, bravo. Il y a une hémorragie ou pas? Oui, il y a HRP, hématome rétroplacentaire. Bonsoir docteur, merci beaucoup pour votre conseil. Je vous en prie, monsieur Ibrahim. Bonsoir, bonsoir, les pathologies associées. Oui, bravo. On a le droit d'avoir plusieurs pathologies. Parfois, elle est à terme et présentant un tableau d'appendicite. Oui, docteur, oui. En fait, moi, j'ai déjà traité des dames qui avaient carrément une cholécystite, ok? Et une LV avec une indication chirurgicale selon l'avis du viscéraliste. Et une de mes patientes est partie de Bouches-du-Rhône à une autre ville pour pouvoir faire une cholécystectomie par cœlioscopie. Elle a accouché, après elle est venue me voir avec son bébé et tout. Donc, Dieu merci, on a la capacité, on a la possibilité d'opérer par cœlioscopie. Et vraiment, les choses se passent très bien quand on est bien sûr entre des mains bien expérimentées en matière de cœlioscopie. Docteur, on a oublié surtout de dire qu'il s'agit de l'hémorragie du troisième trimestre. Oui, en fait, la pré-éclampsie, mais moi je ne peux pas trancher parce que je ne suis pas gynéco-obstétricien, je ne peux pas trancher. Vous savez pourquoi? Moi je suis arabe, je travaille avec les arabes, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés arabes. Et chez nous, les arabes, quand on dit à quelqu'un que le risque d'hémorragie existe en pré-éclampsie ou en placenta prévia et tout au troisième trimestre, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens qui croient que si on n'est pas arrivé au troisième trimestre, c'est pas grave, c'est pas méchant. Vous voyez? Mais sinon, vous avez raison. Ça se complique surtout au troisième trimestre. Mais moi, je préfère, en fait, je préfère respecter ma spécialité. Genre, je parle en général de l'hypertension artérielle gravidique, je parle en général de la pré-éclampsie, et puis tout ce qui est détails en rapport avec l'âge gestationnel, je préfère ne pas les discuter en direct avec les gens, avec vous, en privé, par exemple dans une réunion, oui, c'est très intéressant. Mais devant les gens, j'ai appris que quand on dit quelque chose, cette chose-là n'est pas correctement saisie par les gens qui m'écoutent. On a oublié de. Ah oui, vous avez dit hémorragie du troisième trimestre, saignement extériorisé. En fait, je n'ai parlé que des complications de l'HRP. De la prééclampsie, genre HRP,
Oui, on peut avoir une métrorragie. Alors, quand on a une métrorragie, bonsoir docteur, bonsoir madame Lina. Par contre, ça c'est une bonne question, ça va nous dévier, mais c'est pas grave docteur, c'est bien de mentionner ça. Alors, quand on a un saignement extériorisé, vous me provoquez avec dans le bon sens, hein? Merci docteur. Alors, quand on a un saignement extériorisé, quand on a de l'hémorragie, quand on a de la métrorragie, ok? Métrorragie, c'est quoi? C'est une dame qui a du sang qui sort par son vagin, dont l'origine est utérine. Ah, d'accord? On fait un examen sous spéculum. Il faut toujours commencer par le spéculum. On ne fait pas de toucher rectal, pardon, on ne fait pas de toucher vaginal, parce que on peut tomber sur un problème de placenta prévia ou placenta bas inséré. Et quand le placenta est bien inséré, le toucher vaginal est interdit. En médecine, on dit il est proscrit. Alors, quand on a du sang qui sort du vagin de la dame qui est enceinte, on fait écarter par spéculum, okay, pour pouvoir visualiser le vagin, le col et avoir une idée sur l'origine. Alors, une fois on est sûr que ça vient de l'utérus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut orienter chez le gynéco-obstétricien pour faire une échographie obstétricale suspubienne. C'est-à-dire, on va faire l'échographie en posant la sonde, okay, sur l'abdomen, sur la peau, sur l'abdomen. Il y a un autre type d'échographie qui s'appelle l'échographie endovaginale. Ça aussi, on peut le faire en cas de placenta prévia. Il est très 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 riche et il est très enrichissant comme examen, comme exploration. On introduit la sonde endovaginale, c'est-à-dire le gynéco-obstétricien ou le radiologue, parce que le radiologue également, il est spécialisé en matière d'échographie et on va visualiser beaucoup de choses, plusieurs choses. On va voir qu'est-ce qui se passe exactement. On va pouvoir localiser le placenta, est-ce qu'il est bien inséré? Et s'il est bien inséré, on va apprécier, si vous voulez, la distance entre vraiment le bord distal, le bord inférieur du placenta et l'orifice de l'utérus qui est en bas. Okay? Et on va essayer de voir est-ce qu'on n'a pas vraiment le worst type de placenta prévia, c'est-à-dire le placenta recouvrant. C'est-à-dire quoi recouvrant? C'est-à-dire que normalement on a un utérus et on a une porte de l'utérus en bas qui le colle. Des fois on a le placenta qui couvre cette porte. Donc c'est comme si on est dans une pièce où il n'y a pas de porte. Alors moi je l'ai dit, j'ai eu peur. Ben, c'est la même chose. Alors imaginons un utérus, ok? Il a une seule porte qui est le col et ce col il est couvert par le placenta. Donc c'est impossible d'accoucher par voie basse. Voilà pourquoi c'est dangereux d'accoucher sans échographie et c'est dangereux d'accoucher sans suivi. Parce que durant l'exploration, si vous voulez, un autre jour, je peux vous parler de l'échographie obstétricale parce que c'est très important. Quand je fais l'échographie, par exemple, chez le gynéco-obstétricien, ce n'est pas tout simplement pour voir est-ce que le fœtus est vivant, est-ce qu'on a des battements cardiaques, parce que on peut avoir des battements cardiaques même en cas d'anencéphalie carrément. Donc un fœtus qui n'a pas de cerveau, mais on a une activité cardiaque parce que le fœtus est lié, son système cardiovasculaire est lié au système cardiovasculaire de la dame, okay, de la maman, ou ce qu'on appelle en médecine la parturiente. Et du coup, tant qu'il y a une vascularisation, tant qu'il y a une communication à travers le cordon ombilical, okay, et les artères, on a toujours une activité cardiaque. Donc, on ne fait pas l'échographie uniquement pour voir l'activité cardiaque. Parce qu'une fois on accouche à un encéphale, un fœtus sans son cerveau par exemple, une fois on coupe le cordon, il va mourir. Okay? Très bien. Quand on fait l'échographie, on voit, on visualise et on est obligé de décrire l'état du placenta et l'insertion du placenta. Est-ce qu'il est antérieur? Est-ce qu'il est postérieur?
Est-ce qu'il est fin duc? Est-ce qu'il est bas inséré? S'il est bas inséré, quel type? Est-ce qu'il est placenta, est-ce qu'on a une placenta à créta ou percréta? Par exemple, des fois on a une incision. On a accouché la femme par voie haute. La voie haute, c'est la césarienne. Okay? C'est-à-dire, on a ouvert, on a coupé, on a pris une lame et on a coupé l'utérus de la dame pour faire sortir un fœtus. Et puis, on a fait des sutures. Okay? Alors, bien sûr, la dame ne doit pas accoucher après un certain temps. Bon, moi, je recommande 2 ans. Ok, faut pas penser à accoucher 2 ans. Avant 2 ans, ok. Alors quand je coupe et je suture, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une cicatrice. On appelle ça un utérus cicatriciel. Très bien. Alors si j'ai une cicatrice, c'est automatiquement dans la face antérieure de l'utérus. Parce que nous, on ouvre sur le plan antérieur, c'est-à-dire l'avant. Il y a l'avant de l'utérus et il y a le derrière. Quand on fait une incision, quand on ouvre toujours du côté antérieur. Alors, si durant la grossesse suivante, on fait l'échographie et on trouve que le placenta est antérieur, alors là, on ne veut pas que le placenta soit bas inséré parce que ça peut risquer de coller ou de s'attacher. De coller à quoi? De coller à la cicatrice antérieure. Le placenta doit rester très loin de la cicatrice. Alors, quand on a une patiente qui a un utérus cicatriciel, c'est-à-dire elle a accouché par césarienne, on a fait l'incision, dans l'incision elle est antérieure. Une fois on fait l'échographie, par exemple durant la deuxième grossesse, si le placenta est postérieur, alors là on est très tranquille, le gynécologue est très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas risque que ce placenta colle ou reste attaché à la cicatrice. Alors pourquoi c'est pas bon, hein? Pourquoi c'est un peu, je dirais pas dangereux, mais pourquoi on veut pas que le placenta soit antérieur en cas de placenta d'utérus cicatriciel? Parce que le jour J où la dame va accoucher, elle peut accoucher par voie basse. Si vous avez été, bien sûr, s'il n'a pas de contre-indication absolue, genre un bassin rétréci ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez accouché la première fois par voie basse. La deuxième fois, par exemple, vous avez accouché par voie haute, par césarienne. La deuxième fois, vous avez accouché par voie basse. Ok. Le fœtus est sorti. On a coupé le cordon. Et après, il y aura le placenta qui va sortir. Ok. Il y a le placenta qui va être extériorisé. D'accord. Tout est bien. Alors, quand on veut... En patiente, il y a le placenta qui ne veut pas sortir complètement. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à la cicatrice. Alors là, c'est méchant. On n'a pas le droit de tirer. On n'a pas le droit d'arracher. On n'a surtout pas le droit de tirer un placenta. On a accouché, on a coupé le cordon. Il y a le cordon qui est suspendu. Il y a le placenta qui est à l'intérieur de la dame, okay, de son utérus. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses pour que le placenta soit extériorisé et expulsé. Soit on injecte des utérotoniques. Alors les utérotoniques, on les injecte uniquement après vraiment la sortie de la première épaule. Okay. Tant que la première épaule n'est pas sortie, on n'a pas le droit d'injecter quelque chose d'utérotonique parce que ça peut risquer de se compliquer par une contraction de tout l'utérus et le fœtus qui reste coincé. Après extraction de la première épaule, je peux injecter. Donc problème de délivrance. Oui. Bravo docteur. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'utérus expulse ce qu'il a? Il doit se contracter. Normalement, si on n'a pas de médecin, par exemple pour les gens qui n'ont pas accès, par exemple dans le passé, ok, il y a longtemps, avant qu'il y ait des CHU, avant qu'il y ait des hôpitaux, des cliniques et tout,
Il y avait quelque chose de très naturel, qui est extraordinaire et miraculeux grâce au bon Dieu parce qu'il a bien fait les choses. Alors une fois, dans la tétée, une fois on donne au petit, au fœtus, le sein pour qu'il suce. Alors sucer le sein provoque la sécrétion d'un utérotonique naturel. Et ainsi, on aura quoi? On aura d'abord la montée laiteuse, ok? Et puis on aura une augmentation de la tonicité de l'utérus. Vous voyez combien c'est miraculeux? Tu donnes au petit le sein, ton utérus va se contracter. Ok? Tranquillement, naturellement, sans injection d'utérotonique. Et on va avoir ce qu'on appelle un globe utérin de sécurité, c'est-à-dire vraiment, vraiment, on dirait stone, on dirait roche, on dirait voilà, une roche, un gros caillou que vous avez dans l'abdomen. Alors nous, quand on était stagiaire, médecin externe en cinquième année, alors on avait des tâches, bien sûr, on avait des devoirs, on avait des choses à faire. Parmi ces choses importantes à faire dans le service, c'est s'assurer de la présence du globe utérin de sécurité. Et on mentionnait ça sur une petite feuille qu'on colle vraiment à la tête, au pied de chaque lit. Je dois cocher comme quoi le globe utérin de sécurité est là, est présent, je l'ai touché. C'est-à-dire, on a vraiment le bas de l'abdomen de la femme, ok, qui devient dur comme ça, comme la table. Mais malheureusement, quand on a un placenta qui est bas inséré et qui est antérieur et qui est collé à la cicatrice, par exemple, d'une césarienne antérieure, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? On n'a pas le droit de patienter à ce que de patienter jusqu'au moment de l'accouchement pour découvrir qu'on a une placenta à Créta. Non, on n'a pas le droit. On perd Créta ou quoi que ce soit. Tout ça se diagnostique par l'échographie obstétricale spécialisée chez un médecin gynéco-obstétricien ou chez un radiologue. D'accord? On n'a pas le droit de mettre un diagnostic tardif. On n'a pas le droit de laisser la patiente accoucher alors qu'on n'a pas d'idée sur l'insertion de son placenta. Voilà pourquoi il faut respecter les spécialités et il faut absolument faire son travail et laisser les autres faire leur travail. Un médecin gynéco-obstétricien ne peut pas être remplacé par un médecin généraliste. Un médecin spécialisé en gynéco-obstétrique ne peut pas être remplacé par un autre médecin. D'accord? À chacun son travail et à chacun ses compétences. Le médecin gynécologue, il prend. Moi, j'aime beaucoup donner la responsabilité aux spécialistes. Je me sens très à l'aise. Il y a des gens qui me disent, non, tu es très compétente, tu as un problème de confiance en soi et tout. Mais non. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, si ma soeur veut faire une consultation, je l'oriente chez mon professeur de gynécologie, que je remercie et que je salue depuis mon live, même si je suis sûre qu'il ne voit pas mes lives. Alors, si par exemple, si un jour je serai enceinte, je vais bien sûr solliciter un médecin spécialisé en gynéco-obstétrique. Bien sûr, sauf si je suis dans l'obligation de passer par la station de médecine générale ou si ça me fait plaisir, hein, parce que des fois, on a un attachement à notre médecin généraliste. Qui fait de l'échographie obstétricale, qui est diplômé pour faire de l'échographie générale ou obstétricale, ou qui a même un diplôme de gynécologie, un DU, ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire. Mais ça, c'est un petit diplôme, ok? Des fois, ça rassure les gens, parce que quand on est enceinte, des fois, on a envie de discuter avec quelqu'un qui nous connaît depuis bien longtemps. Mais moi, je recommande vivement et je demande vivement aux gens qui ont des femmes enceintes de partir chez le gynéco-obstétricien et chez le médecin généraliste. C'est très important de faire une consultation chez les deux. Parce que vous avez le droit d'avoir des problèmes de santé généraux, même si vous êtes enceinte. Et en plus, le médecin traitant, c'est qu'on dirait un membre de la famille. Okay? Bien sûr, il n'y a pas d'empathie nocive, mais quand même, ça nous donne de la force. Si je suis enceinte, j'aurais bien aimé voir mon médecin généraliste ou ma doctoresse traitante, parce que ça va me donner de la force.
C'est comme si on est des coéquipiers. On va affronter cette expérience de grossesse ensemble. Je ne serai pas seule. Vous voyez? En plus, la femme enceinte, elle est un peu vulnérable. D'accord? Elle n'est pas prête à admettre et à recevoir des nouvelles bizarres. Des fois, on recourt au médecin traitant, au médecin généraliste, au médecin de famille, pour pouvoir, comment dire en Amérique, how to break bad news. C'est-à-dire comment doit-on annoncer une mauvaise nouvelle en médecine? C'est pas simple, ok? C'est pas simple. En Amérique, il faut vraiment gérer ça et en recours à quelqu'un à qui le patient fait confiance. En général, ça je l'ai vécu quand j'étais petite et je suis en train de le vivre maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire quand j'étais petite, j'avais un médecin de famille, que son âme repose en paix, qui me donnait de la force, qui donnait de la force à toute la famille, à tout le monde, ok? Et maintenant, moi, je donne de la force et j'en du courage à mes patients. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des liens. Il faut qu'il y ait des liens très très robustes avec nos patients. Parce que la médecine générale, c'est vraiment une s'introduire dans la vie des gens. Okay? Dans la vie carrément. Vous voyez? Donc, l'idée que je veux transmettre, c'est que un médecin spécialisé en gynéco-obstétrique, il a des grandes compétences pour pouvoir détecter précocement un problème de santé à gérer précocement. Genre, c'est-à-dire, il est capable de détecter un placenta percreta rapidement, aisément, tranquillement et d'une façon très détaillée. Et il peut se permettre de préparer l'opératoire pour opérer pour accoucher par voie haute, par césarienne. Des fois, c'est à lui, pas des fois, mais toujours c'est à lui, de, par exemple, discuter avec ses collègues, avec ses seniors, faire ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire pour juger obligatoire carrément une hystérectomie. L'hystérectomie, c'est enlever l'utérus. Il y a l'hystérectomie totale, l'hystérosalpingectomie, et il y a une hystérectomie où on n'enlève que l'utérus et on n'a pas besoin de tout enlever. Okay? Alors ça, c'est une décision qui doit être prise avant l'accouchement, mais des fois, on est surpris par exemple, une hémorragie de délivrance qui est incontrôlable et qui met en jeu le pronostic vital de la femme, c'est-à-dire on risque de perdre la dame. Soit on enlève l'utérus, soit on perd la dame. Pourquoi? Parce que les vaisseaux de l'utérus, ce sont comme des robinets. Okay? Ils font sortir tout le sang de la personne et vraiment, soit on embolise, soit si on n'a pas accès à la radiologie interventionnelle, vraiment, il faut agir. Donc, je vous prie de bien vouloir ne pas mal comprendre, okay, ou mal prendre certaines décisions qui sont prises pour sauver. Ok? Très bien, alors je pense que j'ai raté deux commentaires. Docteur, s'il vous plaît, revenons au sujet. Placenta pluvia antérieure, le risque. Placenta percreta antérieure, le risque. Ben, le risque, c'est que, voilà, je pense que j'ai répondu avant de lire la réponse, la question. Alors, docteur, quand on a un placenta qui est antérieur et qui est inséré sur une cicatrice et qui est lié à ou qui est même percreta, alors là, le placenta ne peut pas se détacher au moment de l'accouchement. Donc, s'il ne se détache pas, il y a deux choses. Non, il y a de l'hémorragie et ça vraiment, on ne peut pas contrôler l'hémorragie, on risque de faire une hystérectomie. Donc, c'est une décision qui me dépasse. Voilà pourquoi je pense que j'étais en train de répondre ça avant de lire votre question. Voilà, donc il faut prendre une décision très sage de la part du gynéco-obstétricien, mais toutes ces décisions doivent être prises durant la grossesse, grâce aux explorations, grâce aux échographies obstétricales.
Alors, dans l'échographie obstétricale, on a trois types. On a la première échographie, okay, de datation, c'est autour du 12e semaine d'aménorrhée. Et puis, on a une autre qui s'appelle l'échographie morphologique. Elle est très importante. On va essayer de parler des malformations à détecter et la croissance et beaucoup de choses et l'harmonie pour ce qui est de la biométrie et tout. Je suis très fatiguée, je m'excuse. Alors, il y a un commentaire. Bonsoir, docteur. J'espère que vous allez bien, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'agit d'un live réservé aux femmes? Non, du tout, du tout. Parce que la femme, quand elle est enceinte, c'est grâce à un monsieur qu'elle est devenue enceinte. Voilà. Et le monsieur, c'est un papa. Et je pense que les papas sont les. Moi, j'ai déjà eu la chance de voir des couples qui sont vraiment. Très 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 civilisé, émancipé, et vraiment il y a, moi j'ai vu vraiment un sens d'humanité très augmenté chez certains papas, et qui vraiment vous donne envie de devenir vous donne envie de devenir maman, tellement il a la possibilité de pas de sentir, mais au moins de comprendre plus ou moins la douleur de la dame, les variations hormonales et leurs effets, okay, sur la psychologie de la dame, sur sa peur. Il connaît très bien sa femme, il connaît très bien ses réflexes. Des fois, il te dit, docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous tout me dire? Et moi, je vais préparer la dame. Ma femme, comme ça, elle sera pas choquée. Même si moi, je veux juste annoncer quelque chose de très simple, mais lui, il a toujours peur, par exemple, que sa femme soit choquée. Vous voyez? Alors, des fois, lui, des fois, il y a des gens, pour être honnête et être professionnel, des fois, ce sont des hommes qui souffrent, qui ont un problème de syndrome du sauveur, qui sont angoissés, qui ont perdu leur mère, par exemple. Durant la grossesse ou après l'accouchement. Ce sont des gens qui ont un épisode dans le passé qui n'a pas été encore digéré correctement. Mais des fois, ce sont juste des gens qui sont kérim, qui aiment leurs épouses, qui ont grandi dans une famille d'amour, dont le papa était lui aussi kérim et tout. Et ça, c'est beau, hein, sincèrement. C'est beau, c'est très beau. Très pédagogue, notre docteur. Merci, docteur Majid. Alors, je suis arrivée à la fin de cet épisode. Que j'ai appelé parlant gynécologie. Vous savez pourquoi j'ai dit parlant gynécologie? Parce que je suis tombée, cette semaine, je suis tombée sur un commandant, un pilote et instructeur et tout. Et il anime des lives et il écrit toujours parlant aviation, parlant aviation, parlant aviation. Et bon, moi, bien sûr, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Il y a d'autres pilotes, d'autres commandants qui interviennent. Je pense qu'il s'appelle Nordine. C'est un Algérien, comme vous, docteur. Vous les connaissez, non? Commandant, je pense, et instructeur, dans sa présentation, il écrit soit retraité, soit quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est un professeur également. Non, ah d'accord. Mais je pense que vraiment, si le papa est angoissé, le maman aura plus de peur. Oui, docteur, oui. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Ça contamine, hein. Oui, des fois, ça contamine. D'accord, donc j'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Je vais essayer d'enregistrer mes lives sur YouTube. Au cas où vous voulez jeter un coup d'œil, et je vous souhaite tout le bonheur, c'est un grand plaisir. Et je remercie mes chers confrères marocains et algériens présents ici avec nous, et tous les médecins, que vous soyez marocains ou pas, musulmans ou pas, je vous souhaite tous la bienvenue. Pour toi aussi. Merci, c'est gentil, monsieur Motkori. Ou madame, je sais pas.